quoi. Donc, c'est les meilleurs qui sont là. Un point de changement par rapport aux autres années. Cette année, au lieu de faire des tours de ville dans l'Ampoufini, on va faire un petit tour dans les villages aux alentours. Donc on va partir à gauche là par les pompiers, ouais. La route de Limoux, la route de Limoux, la Valette, vous suivez le road book. La Valette, Coëssauzès, Peuzès, Ventenac, Cavardès, et on va revenir par Pelotier, Villon-Soussou. On rentre par le carrefour de Besançon, la route minervoise, hein. La route minervoise, les berges de l'Aude, les berges de l'Aude, le square Gambetta. Au soir à Gambetta, vous verrez, j'ai mis un tour de guide. Juste un tour de guide au soir à Gambetta. On prend les boulevards, on fait un tour de guide. Et on vient rentrer au soir à Gambetta par la rue Aimé Ramon. Quand on arrive sur au dôme, au niveau du dôme, il y a la rue Aimé Ramon qui sort au feu rouge. Et là, il y aura la police municipale à 11h30 pour nous faire rentrer sur le soir à Gambetta. D'accord ? Ne soyez pas avant 11h30 parce qu'il n'y aura personne pour nous faire rentrer. Et comme il y a des clous, la police municipale sera là à 11h30. Pour faire le tour, il nous faut, en roulant tranquillement, une heure. Voilà. Il y a 30... Il devrait passer des salles, ça. Il y a 37 km. 37 km, voilà. Donc, on part à 10h30. 10h30, un tour, à 11h30 au soir à Gambetta. À 12h30, pour ceux qui seront garés devant, parce qu'on va se mettre les uns derrière les autres, et on va ressortir par la rue de Verdun, par contre. On se mettra les uns derrière. Pour celui qui sera garé devant, à 12h30, départ du soir à Gambetta, pour se retrouver chez Jus, au Black Bottom, pour le restaurant de midi. D'accord ? À midi ou à 12h30 ? 12h30, départ du soir à Gambetta. Arrivé on a chez Jus à 13h. Comment ça va manger à quelle heure ? Comment ? Comment ça va manger à quelle heure ? D'autres questions ? Voilà, donc vous avez, on part dans 10 minutes. Allez, assieds-toi là, allez. C'est bon ? Thank you.
Avec vous, partiez, Chaussette récupérera les nœuds, cassez les voitures et les volets. Ça vous évitera d'en refaire chaque année.
faire des vœux le 8 janvier, mais rien n'est moins sûr parce qu'il est interdit de faire les rassemblements dans les salles municipales. Avant l'heure.